déjà sacré en élite en 2019, après 146 km de course, James Fouché de la Bolton Equities Black Spock s'est imposé en solitaire devant son équipier Tom Sexton et troisième place pour Lawrence Pitti de la Groupama FDJ après une course raccourcie à cause des conditions climatiques sur le circuit de Cambridge. Ainsi, James Fouché succède au palmarès à George Bennett. Chez les femmes, après 109,8 km de course, c'est un petit groupe qui s'est disputé au sprint le titre de champion de Nouvelle-Zélande de cyclisme sur route. Et finalement, c'est Olivia Ray de la Humane Powered qui s'est montrée la plus rapide devant Ali Wollaston de la NXTG et Georgia Williams de la Bike Exchange, déjà sacrée sur le contre-la-montre.